Merci. Alors, je vous ai parlé de mes petits-enfants, mais quand ils seront grands, qu'ils auront 20 ans, peut-être qu'ils pourraient me demander qu'est-ce que tu laisses de ton monde, toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit meilleur. Effectivement, je n'ai peut-être pas non plus, comme tout le monde, fait tout ce qu'il fallait, donc je me suis imaginé ce qu'ils pourraient me dire. Mais que voulez-vous que l'on fasse? Vous dites soyez bien patient. Mais pourquoi se voiler la face? Que laissez-vous de votre monde à nous qui entrons dans la ronde, à nous qui n'avons que 20 ans? Je ne veux plus vous écouter, vous qui n'avez pas su garder l'amour et la fraternité dans votre société d'argent. Et vous parlez de vraies valeurs que vous trahissez trop souvent. Mais qu'avez-vous fait de vos rêves, de vos envies de tout changer? Quand vous parliez des qualités, quand vous chantiez la liberté, et le jour et la nuit sans trêve, vous inventiez un autre monde. Mais vous avez courbé les chines, vous ne dites plus jamais non. Qu'avez-vous fait de vos envies? Qu'avez-vous fait de votre vie? Votre discours, c'est pas de vague, il faut laisser passer l'orage. Mais moi, je ne veux pas vous suivre sur le chemin que vous tracez. Je ne veux pas de votre vie, et laissez-moi vivre la mienne. Et ma révolte, je la crie à ceux qui se sont endormis. Je ne veux pas vivre à genoux, je veux réinventer mon temps. Avec ses plus belles couleurs, celles qui donnent du bonheur. Et pour enfin vivre debout, je donne au diable tous vos dieux. Je donne au diable tous vos dieux.